mais uma vez a professora Silvia Caianello pela sua presença aqui conosco nesse ciclo de conferências de História da Historiografia. Eu vou passar imediatamente a palavra para ela. O título da conferência dela hoje é A Pluralização do Tempo Histórico e a Ascensão de um Método Sistêmico para a História. E, como vocês poderão ver, essa palestra um pouco ela encerra um percurso de análise, de historicização, que se iniciou na terça-feira. Então, pensando um pouco o problema da temporalidade, essa herança da temporalidade do século XIX no século XX. Então, professora Silva, muito obrigado. Alors, si on cherche à déterminer le trait le plus distinctif de la conscience contemporaine du temps historique par rapport au cadre de référence historiciste que j'ai essayé d'ébaucher dans ce jour, on retrouve surtout l'éclatement de la représentation unifiée du grand récit de l'histoire majuscule que Koselleck a placé à l'origine de l'âge moderne. Quelle que soit l'extension chronologique ou spatiale des phénomènes qu'il désire prendre en compte, l'historien contemporain est toujours conscient que, comme le disait Braudel, une descente selon la pente du temps n'est pensable que sous la forme d'une multiplicité de descentes selon les diverses et innombrables rivières du temps. On peut dater ces tournants à l'essor de l'école des annales en France après la Première Guerre mondiale et son expression programmatique surtout à l'œuvre de Fernand Braudel après la Deuxième. Il s'agit donc d'un bouleversement dont l'ordre historiciste au sens large de ce mot était une des cibles principales. Bien que ce sens du mot historicisme soit large, on a vu qu'il y en a plusieurs exceptions, il y a certains aspects de la conception de Ranke que j'ai identifié comme historicisme scientifique qui prête le flanc aux critiques des annales. Cependant, les choses se présentent autrement si on se réfère plutôt à la pensée de Droysen. Je chercherai de montrer les points de convergence entre certains traits de la méthode, des traits qu'on peut plus aisément généraliser parmi les complexes transformations qui a connu l'épistémologie des annales dans le temps, ces traits de la méthode des annales avec l'approche épistémique de Droysen. Mais cette fois, mon intention n'est pas de souligner encore une fois la modernité de Droysen, mais au contraire, de mettre en évidence le décalage qu'il ne pouvait pas combler, c'est-à-dire le seuil épistémologique ultérieur qu'il fallut dépasser pour que l'éclatement du temps unitaire mentionné auparavant s'affirme dans la conscience historique contemporaine. Je commence donc en soulignant les affinités pour en finir avec la description de ce décalage. La table de comparaison que je vous propose relève donc plutôt encore d'une approche théorique plutôt que futurologique, dans la mesure où on n'a pas pu établir aucune connaissance directe chez les historiens des annales, qui, si vous me permettez, j'appellerai d'ici en avant les analystes, même que ce mot ne soit pas habituel, entre les analystes et Droysen, état de choses qui n'est pas surprenant après nos considérations d'hier sur l'appréciation décalée de Droysen en tant que théoricien, la chronologie de son appréciation en tant que théoricien. Toutefois, les analogies que je vous propose sont justifiées du fait que plusieurs aspects qui caractérisent les cibles polémiques des analystes, représentés souvent sous la formule de histoire historisante, histoire bataille, histoire savante, ressemblent à peu près aux critiques de Droysen à Ranke. Alors, le premier point, c'est l'histoire récit. Je parle de la fin de ma tractation d'hier, de l'épistémologie de Droysen. Le premier convergent, c'est une critique que chez Braudel vise directement Ranke de l'histoire récit. Chez les analystes, la cible plus proche était en réalité la rhétorique du récit développemental de la nation française, mais l'attitude de déconstruction est très proche de celle de Droysen lorsque Braudel reproche à Ranke
que le récit de l'histoire ici, loin de dire les choses comme elles se sont réellement passées, n'est qu'une philosophie de l'histoire masquée. Droysen, dans sa tractation des formes de l'exposition historique, on l'a vu hier, délimite les conditions de possibilité d'une exposition narrative et la colloque parmi un répertoire de modalités possibles de rhétorique de l'histoire. Et lorsqu'il analyse cette particulière forme de la narration comme forme de l'exposition historique, il en dénonce les dangers, aussi bien que les implications épistémiques inavouées, et ce qui sent clairement les traits de la philosophie de l'histoire dont parlait Braudel. Je n'ai pas le temps de citer les passages de Droysen, si quelqu'un est intéressé, on peut en discuter après. Le deuxième point, c'est l'histoire-problème. J'ai déjà mentionné à propos de l'heuristique de Droysen, de sa tractation de la notion historique, de la question historique, les affinités avec l'histoire-problème, la devise lancée par Lucien Febvre, qui s'oppose justement à la dissimulation de l'apport du sujet de l'interrogation historique perpétrée par l'histoire récit. La réponse à la prétention d'objectivité revendiquée par le positivisme historique est de reconnaître que le problème situé dans le présent de l'historien, est le principe organisateur du travail historique. Dans ce sens, on assimile aussi le mot de Croce, Benedetto Croce, qui disait que toute histoire est forcément contemporaine, ne peut pas que parler de son temps. Febvre le dit clairement, sans théorie préalable, je cite, sans théorie préconçue, pas de travail scientifique possible. Un historien qui professe la soumission pure et simple à ce fait, comme si le fait n'était point de sa fabrication, comme s'il n'avait point été choisi par lui au préalable dans tout le sens du mot choisi, et qu'il ne peut pas n'être choisi par lui, c'est un aide technique qui peut être excellent, ce n'est pas un historien. La méthode doit donc être régressive, archéologique, comme l'était pour Droysen le comprendre en tant que construction en arrière. Comme dans l'archéologie, qui sera pour Foucault, vous savez, la devise de sa méthode philosophique, la reconstruction en arrière part toujours de quelque chose qui est là, qui est présent. Le troisième point, c'est la critique au positivisme du fait historique. Dans les deux cas, chez Droysen et chez les analystes, ce qui s'affirme est la conscience épistémique que dans l'histoire, on a affaire avec une construction de l'objet et non avec un donné à atteindre dans son immédiateté. Comme le dit Febvre, sur une forme d'histoire qui n'est pas la nôtre, l'histoire historisant, l'essai du 1947, pensez-vous, qu'ils sont donnés à l'histoire comme des réalités substantielles? Qu'il s'agit simplement de déterrer, de nettoyer, vous vous souvenez de la logica de la emendatio, de présenter en belle lumière à vos contemporaines, ou bien reprenez-vous en compte le mot de Berthelot, s'achimer la seule science entre toutes, disait-il orgueilleusement, qui fabrique son objet. En quoi Berthelot s'est trompé, car toutes les sciences fabriquent les objets. Il s'agit alors de rétablir l'écart entre passé et présent, reconstituer la distance historique, comme dit Bloch, en un mot, par contraste avec la connaissance du présent, celle du passé serait nécessairement indirecte. On retrouve chez Bloch, dans son Apologie de l'histoire, l'insistance sur le point de départ subjectif, comme nécessaire à faire parler les sources, dans des termes qui sont presque les mêmes que Droysen, car le texte ou les documents archéologiques, dit-il, fussent les plus clairs en apparence et les plus complaisants, ne parlent que lorsqu'on sait les interroger. La cible ici est l'histoire savante, fondée sur la collecte et la critique des sources, qui s'appuie sur la critique des sources comme fondation de la rigueur de l'historien. Et cette fois, en syntonie un peu peut-être plus avec Rank qu'avec Droysen, l'histoire ne doit et ne peut pas être utile. Febvre, en 1919, dans la leçon inaugurale qui est un document fondateur pour l'histoire des annales, dit « L'histoire qui sert, c'est une histoire serve ».
Quatrième point, l'extension des sources, la conscience de l'écart entre passé et présent, dans la mesure où elle met à jour l'aspect constructif de l'objet historique, a un impact direct sur le statut des sources. Si les sources sont l'objet d'un choix toujours subjectif et situé de la part de l'historien, il est toutefois nécessaire de faire des différences quant à la valeur de leur témoignage. Ce qui en dérive est l'extension de la notion de source historique contre la prédominance des sources textuelles, surtout politiques et historiographiques, c'est-à-dire les sources intentionnelles pour antonomase, qui étaient, comme j'ai déjà dit, celles de Ranke. Oudreusen étendait le statut du matériel historique à tous ceux qui portaient la trace humaine, l'empreinte de la mise en forme, comme il l'appelait. Bloch emploie une métaphore plus crue. Le bon historien, lui, ressemble à l'ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier. Au moins du côté des principes, l'extension des sources envisagées par Droysen n'est pas moins multidimensionnelle de celle des annales, bien que Droysen rejette, d'ailleurs non sans finesse d'argumentation, exactement le type de source auquel les annales conféreront la plus grande importance, c'est-à-dire celle de l'histoire quantitative et ses modélisations statistiques des données. Cinquième point, la critique du modèle développemental, visant plutôt l'historicisme au sens large que Ranke en particulier. Un point de convergence très remarquable est la critique de ce que Bloch appelle l'obsession embryogénique de la pensée historique, pour laquelle les origines sont un commencement qui explique. On a montré que cette obsession s'accompagne souvent à un modèle normatif du développement qui modèle la façon dans laquelle le principe contenu dans l'origine contraint la démarche historique. Ce point n'est pas secondaire. La stratégie de contrôle de l'altérité à travers le modèle normatif du développement propre au grand récit de l'historicisme philosophique, pour lequel différentes cultures et époques venaient d'être ordonnées selon un schéma idéal de succession nécessaire. Ce modèle normatif du développement n'a pas déposé les armes au XXe siècle. On le voit dans la théorie de la modernisation, par exemple, formalisée autour de 1950 par l'économiste américain Walter Rostow. Dès la réflexion sur les conditions des possibilités de la modernité, s'ensuit une approche prescriptive qui indiquait à toutes les sociétés autres, et en particulier aux nations décolonisées, les étapes nécessaires pour atteindre la véritable modernité comme industrialisation, sécularisation, bureaucratisation. Une stratégie de contrôle qui a eu un succès remarquable dans la politique néocolonialiste et qui représente une des cibles principales de la théorie des systèmes mondiaux de Wallerstein, qui ne se place pas par hasard sous le sillage de Brodel. Bref, il y a sans doute des affinités palpables entre la historique droysenienne et les annales. Droysen fait, on l'a vu déjà hier, de la complexité de la causalité historique la raison profonde pour rejeter l'explication comme méthode de l'histoire. Il est remarquable que la conscience de cette complexité amène Droysen jusqu'au seuil de thématiser non seulement la multiplicité des séries causales qui s'entrecroisent dans les événements, mais aussi les différents rythmes temporels de ces séries. On retrouve en fait dans son histoire un regard perçant sur la multiplicité des temps historiques, je cite. La décadence des institutions politiques n'est pas toujours contemporaine à celle de la vie religieuse et de l'évolution sociale. Encore moins, l'éclore des industries, du commerce, des arts, implique nécessairement celle du progrès moral et de la force de la nation. On ne peut pas simplifier de façon si abstraite les relations très serrées qui constituent, avec leur tissu complexe, la vie de l'histoire. Cet aperçu remarquable des rythmes différentiel des couches synchroniques du temps, asynchroniques du temps historique,
cette Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, selon la définition de Koselleck, la simultanéité du non-simultané, reste cependant sans conséquence pour Droysen. Elle n'ébranle pas en fait la fondation anthropologique de la subjectivité historique qui persiste, solidement percée à la hauteur de l'horizon de son présent. Je cite encore de Droysen, « Au fur et à mesure que nous-mêmes, j'entends par là l'humanité, nous nous élevons, l'horizon que nous embrassons du regard s'élargit. » Et l'individu dans cet horizon apparaît à chaque transformation du point de vue sous de nouvelles perspectives, sous de nouveaux et plus vastes rapports. L'ampleur de notre horizon est la mesure très exacte de la hauteur à laquelle nous sommes parvenus. La continuité du temps historique chez Droysen reste encore encadrée dans un espace et un temps absolu, où la seule certitude est le fortschreiten, le dépassement continuel du précédent par ce que se suit. Dans cette perspective lourdement eurocentrique, comme il était normal à ce temps-là, l'histoire universelle apparaît à Droysen comme le mouvement d'une expansion, notamment géographique, du champ de ce qu'il appelle la vie historique, qui, poussée par l'universalisme des religions monothéistes, s'est répandue, dit-il, sur de plus en plus de pays et parties du monde, et enfin sur l'entière surface du globe. L'historisation du monde, pour Droysen, s'effraye son chemin, même dans l'espace. Ainsi, même si Droysen aurait partagé peut-être l'affirmation de Bloch « il n'y a pas de synchronie », le continu de la vie historique n'en est pas éclaté. Alors, le brusque réveil de ce rêve au cauchemar de la démarche incessante en avant de l'histoire, que Droysen souligne sans cesse dans ses écrits, se retrouve clairement étalé chez Lévi-Strauss lorsqu'il relativise dans une taxonomie tout à fait aseptique ces mêmes caractères moteurs des sociétés occidentales que Droysen comprenait comme l'insigne de la vie historique. Le temps cumulatif, la rémémoration de l'histoire et la tradition comme fondement structurant la société et l'anthropologie philosophique de l'Occident sont recadrés dans le contexte d'une antinomie entre société chaude, dont la vie est historique exactement dans le sens de Droysen, et société froide. Ces dernières, qui ne sont moins partie intégrante de ce qu'il faut appeler le présent, se structurent plutôt autour d'un différent système symbolique, tel que les incite à résister désespérément à toute modification de leur structure qui permettrait à l'histoire de faire irruption à leur scène. Ces sociétés ne sont pas simplement sans histoire. Elles s'acharnent activement pour l'être. En fait, elles réagissent au changement avec des stratégies qui visent à annuler le changement, à reconduire le nouveau sous l'invariant, l'événement à la périodicité du rite, pour garder leur équilibre particulier. L'action, donc, d'exporter en jugeant de ces sociétés notre système de référence chaud, qui nous le fait apparaître comme stationnaire, se révèle désormais dans toute la violence d'une action colonisatrice. Alors, il y a un décalage, je dis, mais évidemment, il n'est pas possible de résumer tous les facteurs multiples qui ont contribué à la restructuration radicale de l'expérience du temps et de l'espace au XXe siècle. Beaucoup a été écrit sur l'effet des nouvelles technologies de communication mises en place par la deuxième révolution industrielle, capable de donner à des événements exceptionnels comme le naufrage du Titanic en 1912 une dimension planétaire, en effaçant la distance dans une expérience qualitativement nouvelle de la simultanéité, la représentation propre au XIXe siècle d'un sujet collectif de l'histoire s'ébranlait sous le poids de lacérations multiples, lacération politique entre classes, lacération anthropologique entre individus et collectivités, la psychologie, la littérature et la philosophie à cheval entre le XIXe et le XXe siècle ont exploré
vous savez, le méandre de la subjectivité, ont révélé la multiplicité de ces couches, marquant la pluralité des modes d'expérience et des constitutions temporelles de l'individu et de la société, ainsi que leur dyskinésie. La psychologie sociale, notamment celle des foules, avait dévélé la puissance primordiale des mécanismes inconscients de l'imaginaire collectif sur le comportement des individus, tandis que la sociologie de Durkheim en avant soulignait la constitution sociale des temps et espaces collectifs, tandis que leur pluralisation croissante dans les sociétés complexes. Un tournant important du point de vue épistémique était aussi ce que Fèvre appelle le grand drame de la relativité, un bouleversement qui intéressait soit les notions d'espace et temps que des causalités en général. Espace, temps et mouvement des corps, et ainsi de l'observateur même, n'y étaient plus séparables. Je cite de Einstein, « Deux événements simultanés dans un système de référence ne le sont plus dans un autre système de référence. Le principe de relativité implique l'absence d'observateurs privilégiés. L'espace n'est pas tridimensionnel et il n'y a pas de temps absolu. Chaque individu a sa propre mesure du temps qui dépend de lui et de la manière dont il se déplace. Chaque objet en mouvement a sa propre horloge. » Alors, la théorie de la relativité est partie intégrante du terreau scientifique sur lequel se forgèrent les fondateurs des annales. Elle apportait sûrement une profondeur nouvelle à l'impossibilité de la synchronie, en ajoutant la position de l'observateur comme constitutive de la mesure du temps-espace. Mais il n'y a pas, évidemment, des translations directes de la métaphorique physique dans l'histoire. Plutôt, la dimension de l'espace en tant qu'inséparable du temps relevait pour les analystes d'un ensemble des traditions autochtones au champ des sciences humaines, de la géographie à la sociologie à l'ethnologie. Au carrefour de ces influences, l'école des annales visait à une méthode pour analyser la constitution spécifique des sociétés humaines dans leur interaction à un espace particulier. Non plus donc dans le terme d'une démarche de dénaturalisation de la configuration humaine vis-à-vis d'une nature conçue comme déterministe biologique, comme était le cas dans l'historicisme, mais plutôt comme relation écologique à un environnement particulier donné et ses ressources, c'est-à-dire comme coévolution entre société et environnement, en sens compatible, bien que non subalterne, avec la science de l'évolution biologique de leur temps. Loin d'opposer une méthode propre aux sciences humaines, qui se détache nettement de celle des sciences de la nature, les analystes partagent en fait le nouvel esprit scientifique, comme l'appelait Gaston Bachelard. Sa démarche du réductionnisme vers la complexité, mais aussi ce qui a été appelé, pas de moi, l'épistémologisation croissante du rapport aux objets. Depuis que ceci ne se constitue que dans la médiation des constructions théoriques et des technologies qui les incorporent, le discours de Bachelard est sur la science, pas seulement sur les sciences humaines. Cette perspective d'épistémologisation implique la conscience que l'explication scientifique se relie désormais à la construction des modèles de la réalité et des stratégies pour leur validation. La scientificité de l'histoire ne sait plus donc se résumer dans un comprendre que, au sein de Droysen et de Geisteswissenschaften allemands, opposé à la explication. C'est comprendre, bien que supporté par la rigueur, on l'a vu, de la méthode critique, c'est fondé surtout sur la possibilité d'une perspective unitaire, d'une supposée, je dirais, unité poétique du présent, achevée par l'historien à travers un travail de récapitulation antérieure du passé. En effet, lorsque le présent va se révéler de plus en plus comme configuration complexe,
dans laquelle s'entrecroisent des domaines différents, chacun desquels, comme le dit Lévi-Strauss, a une fréquence propre, l'histoire se dévoile plutôt comme un ensemble discontinu, et sa supposée continuité vient d'être reléguée plutôt, comme le fait Lévi-Strauss, dans le registre du mythe. Déjà, chez Bloch et Febvre, s'annonce la dimension d'un temps profond qui s'oppose à la suprématie de la événementialité, c'est-à-dire de l'enchaînement des faits dans le temps court de l'histoire politique. L'histoire ici, dans le sens de Ranke. Il vise surtout l'histoire des mentalités dont la lenteur affecte même les comportements économiques et remet ainsi en question aussi l'autosuffisant de leur supposée rationalité en tant que force motrice de l'histoire qui était l'héritage marxien. Le défi auquel se confrontera Braudel à la moitié du siècle sera de modeler le changement en tenant compte de la multiplicité de durées aux allures différentielles de façon à revendiquer à l'histoire au sein de sciences humaines le statut particulier d'un science du changement, une définition de Bloch encore. En fait, soit la critique de Braudel à la sociologie de Gourvitch, qui fragmentait le temps social dans une pluralité papillée, soit celle à l'anthropologie structurelle de Lévi-Strauss, sont visées à montrer que ces sciences manquent justement l'enjeu fondamental de la historicisation. Les trois dimensions du temps que Braudel distingue sont bien connues. Le temps court de l'histoire traditionnelle, c'est-à-dire l'histoire événementielle, conçue fréquemment comme déroulement des événements politiques. Cette durée éphémère, la plus trompeuse de durée, dit Braudel, reflèterait en fait l'histoire telle qu'elle est donnée à la conscience des hommes, l'histoire immédiate. Elle n'est pas seulement trompeuse parce qu'elle apparaît aux hommes comme la sphère de l'action possible, prône à leur volonté, mais aussi du fait que, comme l'histoire ici de Ranke, elle donne à l'historien lui-même l'illusion de reconstruire la chaîne causale accomplie des événements. Il y a la durée moyenne qui capture la conjoncture, le cycle et intercycle économique, mais aussi mesure en termes de plusieurs générations, des dimensions sociales, intellectuelles et technologiques, chacun ayant ses rythmes propres. La limite de cette durée moyenne est que l'apparition des phénomènes cycliques cache toutefois les régularités, les permanences des systèmes dans la longue durée, qui est la dimension profonde du temps qu'il fallait pour Braudel intégrer pour bâtir une nouvelle approche à l'histoire. En cherchant d'établir la nouvelle tâche de l'histoire dans le champ des sciences humaines, Braudel invoque dans l'essai sur la longue durée, auquel je me réfère surtout ici, la nécessité de confronter les modèles et aussi avec l'idée de durée. Car, dès la durée qu'ils impliquent, dépend assez étroitement, à mon sens, leur signification et leur valeur d'explication. Vous voyez qu'ici encore, modélisation du temps et paradigme explicatif résultent à nouveau étroitement liés. La tâche de l'histoire s'avère d'être, pour Braudel, de rapporter les unes aux autres dans un système multidimensionnel les modèles du temps historique forgés selon l'échelle spatio-temporelle des unités d'observation qui sont adoptées par les différentes sciences humaines. Chaque réalité sociale, dit-il, sécrète son temps ou ses échelles de temps, c'est vrai, mais le fait du morcellement en soi ne consente une appréciation correcte du changement historique. Bien sûr, les différents niveaux temporels ont son allure et rythme propre, mais cette constatation ne conduit encore pas à une approche véritablement historique. Pour saisir le changement, qui est la véritable et reste la véritable passion de l'historien, il faut reconstruire la dynamique du système entier
il faut identifier, dit-il, l'entrecroisement de ces mouvements, leurs interactions et les points de rupture. Il faut, en bref, comme le dit Bugier, qui est une très belle histoire des Annales, penser le caractère multidimensionnel du changement en tant qu'ensemble de mouvements solidaires ou du moins reliés entre eux. Cette tâche peut l'accomplir pour Bourdelle seulement l'histoire totale en tant que dialectique de la durée, qui était le titre d'un livre de Bachelard. Dans la théorisation de la longue ou même très longue durée, que la cible de Bourdelle soit, d'un côté, la pluralité kaléidoscopique du temps des sociologues, ou la démarcation de l'histoire par rapport au structuralisme de Lévi-Strauss, il s'agit toujours, pour lui, d'historiciser l'approche des autres sciences humaines, de mettre en relation et en perspective les échelles des autres qu'elle privilégie chacune. Donc, Bourdelle ne vise nullement à constater ou amplifier le morcellement du temps historique en plusieurs étages, mais au contraire à repérer une métrique commune, une même échelle, dit-il, qui rend visible la solidarité fondamentale entre ces différents niveaux, condition du dialogue et du travail interdisciplinaire des sciences humaines. Il invoque en fait une observation et une réflexion commune aux sciences sociales basées sur la longue durée, la mise en place d'un marché commun entre les sciences sociales. L'histoire, donc, se déclare porteuse d'une nouvelle dynamisme fédérateur, comme l'a dit Jacques Revel, revendique ainsi l'ambition de se placer exactement au centre des sciences humaines. Lorsque Bourdelle revendique, en attaquant la pluralisation farouche des temps sociaux de Gourevitch, comme mesure commune aux trois couches temporelles en temps objectif et mesurable, il semble quasiment retourner à une vision du temps, une réédition du temps-espace absolu newtonien. Heureusement, en effet, heureusement toutefois, ce qu'il fait vraiment est un ancrage des différentes temporalités plutôt dans la longue durée, dont la définition est elle-même plurale selon le type de structure qu'on y peut reconnaître. Comme se reconnaît ces structures? L'historien reconnaît les structures de la longue durée, selon durée et selon Bourdelle par leur double effet, soutien et obstacle. Obstacle, parce que les contraintes géopolitiques et ou écologiques qui délimitent le champ d'action et le changement possible d'une civilisation, autant que les mentalités, que les cadres culturels, également durs à mourir parfois contre toute logique, comme il dit, déjà mis au jour par Fèvre et Bloch. Ces cadres se présentent à l'historien littéralement comme obstacles à l'écoulement du temps, dans la mesure où ils réduisent l'espace du possible. Les figures dominantes de la longue durée sont en fait surtout la stase et la répétition. Soutien, évidemment, dans la mesure où la géométrie fixe ou répétée des relations constitutives qui permettent de reconnaître le structurel représente le moment de l'individuation d'une civilisation donnée. Lorsque ces structures ne sont plus là, il n'y a plus cette civilisation, il y en a une autre, pour ainsi dire. La valeur heuristique conférée à la répétition a une retombée méthodique très importante qui correspond à l'emphase sur les sources de l'histoire sérielle, selon la définition de Chonu en 1960, et donc d'une méthode quantitative statistique qui mesure répétition et variation de grandeur mathématisable, comme celle de l'économie ou de la démographie, pour détecter des tendances séculaires, des mouvements très lents. L'histoire sérielle donne ainsi une mesure adéquate au lent écoulement du temps à ce niveau profond. À l'envers de Lévi-Strauss, qui théorise la fonction de l'histoire dans le repérage des rapports invariants qui font la structure, l'histoire utilise pour Bourdelle les invariants pour détecter les changements
les points de rupture déjà mentionnés. Pour cette raison, les dimensions du temps, les différentes échelles de la durée, doivent être ancrées pour Braudel dans la semi-immobilité des structures, autour de laquelle tout gravite, il dit. Mais en même temps, la dynamique du changement, les véritables points de rupture qui marquent le passage d'un monde à un autre, comme il dit, ne peuvent pas être expliqués au moyen d'un seul niveau, ni même au niveau structurant du temps profond. En fait, bien qu'il y a peut-être ici une dyscrasie entre la théorie et la pratique, plusieurs critiques aient taxé Braudel de manquer exactement cette pluralité causale du système étagé du temps social, je crois qu'on retrouve une indication méthodique intéressante justement dans la confrontation de Braudel avec Lévi-Strauss, auquel il conteste d'avoir dépassé purement et simplement le temps, en imaginant au terme d'une science de la communication une formulation mathématique des structures qui est quasi intemporelle. Le modèle auquel s'effraie Lévi-Strauss était évidemment le langage, l'histoire comme la langue pour Lévi-Strauss, est dotée d'une structure des éléments invariants, commun à toute culture, dont la combinaison particulière caractérise l'individualité de chacune. Je vous cite de Lévi-Strauss, « Le groupe social, comme la langue, dit-il, trouve à sa disposition un très riche matériel psychophysiologique. Comme la langue, il n'en retient que certains éléments, dont quelqu'un, au moins, reste le même à travers les cultures les plus diverses et qu'il combine en structure toujours diversifiée. Il s'agit donc pour Braudel de s'interroger sur quelle est la raison du choix des morceaux particuliers, des éléments variants particuliers, et quelles sont les lois de la combinaison. On pourrait rapprocher, ou me refaire à un autre parcours de séjour, mutatis mutandis, ces éléments primaires invariants de la nature, ou corps-esprit dans le contexte épistémique qui est changé, aux Anlagen de Herder, dont je parlais hier. D'autant plus que Lévi-Strauss dérive une conclusion semblable de leur comptabilité. C'est que l'on gagne sur un côté, dit-il, on est toujours exposé à le perdre de l'autre. Des lois structurelles règlent, dans les deux cas, Herder et Lévi-Strauss, la compossibilité des combinaisons qu'on retrouve dans un système, même si, évidemment, les combinaisons possibles ne devant plus réfléchir, comme chez Herder, la finitude du temps de l'homme, sont devenues en principe infinies. Mais le problème qui devient aigu chez le structuralisme est comment concevoir le changement. Faute d'un principe moteur comme l'était l'individualité du peuple-nation herderien, qui ont la nécessité de se développer dans son propre cycle. Lévi-Strauss s'approche ici à un modèle biologique d'inspiration mutationniste, pour lequel le changement surgit de l'altération d'un élément singulier qui est en mesure de déclencher une discontinuité radicale dans la structure. Cette vision relève de l'atomisme réductionniste de la génétique classique de son temps, pour laquelle des altérations, même d'un seul gène, étaient la cause première qui déclenchait un changement évolutionnaire. Comme pour les altérations génétiques, en fait, le moteur principal du changement, et notamment de la création de la nouveauté biologique, était donc le hasard. Le changement déclenché par les variations des composants de la structure bouleverse son organisation. Après cet bouleversement, les composants déstructurés s'éparpillent, dit Lévi-Strauss, sur le tapis, de la même façon que des délancés pour un hasard. Le hasard détermine donc le changement, mais la récomposition d'une structure nouvelle après le bouleversement dépend surtout de lois structurelles qui règlent les combinaisons possibles. À cette approche, Braudel oppose, dans l'essai sur la longue durée, l'exemple d'un cas particulier, celle d'une structure
culturel de longue durée, le machiavélisme, un phénomène historique qui a eu un cycle de vie identifiable avant de devenir, comme peut-être il est aujourd'hui, plutôt une catégorie politique métahistorique. Dans sa permanence, toutefois, dit Braudel, on peut reconnaître une continuité de l'histoire du machiavélisme parsemée par renversement juste dans la structure même. Il y a une structure plastique aussi sensible aux incidences et rebondissements, aux intempéries multiples de l'histoire. Donc, si on voit l'histoire du machiavélisme, ce qu'on retrace est une coexistence d'éléments stables individualisants qui réorganisent continuellement et contextuellement eux-mêmes. Il n'y a jamais des équilibres figés. Le changement dans l'identité montre que les structures ne sont jamais immobiles et donc qu'ils ont eux-mêmes toujours une histoire. On peut, et surtout on doit, donc, historiciser même les structures de la longue durée pour suivre le contexte de leur déploiement successif ou l'érosion du dedans. Mais l'histoire de ce changement ne pourra qu'engager toutes les différentes couches du temps historique, inclut le niveau subjectif, dans le cas du machiavélisme, de ceux qui ont formalisé les interprétations successives de ce qui était le machiavélisme. Donc, bien que Braudel cherche évidemment, comme il a été remarqué, à récupérer dans la longue durée quelque peu de la continuité, ou au moins de l'irréversibilité perdue avec l'histoire ici, il reste que le temps structurel n'est pas un cours linéaire des événements pareils, n'est pas la permanence du même, mais une répétition constante des conditions semblables pour événements différenciés. C'est une citation de Koselleck, mais je crois que c'est une interprétation très, très importante de la longue durée. La puissance heuristique du modèle du temps étagé de l'histoire totale est qu'il se prête à une investigation autant sur les conditions du possibilité du changement que sur celle de la stabilité, et accorde toutefois à la stase, à l'inertie ou résistance au changement, la cyclicité, à la répétition, un rôle aussi important qu'à la nouveauté et à la Einmaligkeit. Ce qui nous regarde surtout dans ce contexte n'est pas la consistance de la version brodélienne de la dynamique historique, ni ces transformations dans l'historiographie successive des annales concernant souvent les valeurs respectives et la puissance explicative d'une couche par rapport à des autres. L'essor de son approche au changement historique est d'être global, un projet de poursuivre, pour ainsi dire, un projet d'intégration entre perspectives disciplinaires diverses et ainsi de s'opposer à toute forme de réductionnisme visait à identifier un seul ensemble de relations, soit-elles économiques ou culturelles ou politiques, comme la seule et véritable force motrice de l'histoire. On a vu toutefois que la fonction de l'histoire avec la H majuscule, de grand récit unifié, qui achevait le projet de la modernité, était aussi holistique. La diversité qui était ordonnée dans un cadre, y était ordonnée dans un cadre unitaire, l'échelle unitaire du progrès au développement comme mesure commune, pour ainsi dire, du soi et de l'autre. La débâcle de ce projet, donc, la critique radicale à sa fonction idéologique de justification de la supériorité européenne, la politique impérialiste, colonisatrice, n'a rendu obsolète la quête de l'intégration. Mais l'approche à la complexité de l'histoire a complètement changé. La recherche d'une histoire à part entière, comme le voulait Fèvre, doit passer pour la pluralisation.
priorisation des niveaux temporels et de leur rapport constitutif avec les espaces qui contraignent leur dynamique propre. Il s'agit, il est souvent remarqué, d'une approche postmoderne dont les chiffres sont notamment la réflexivité, dans le sens que j'ai appelé auparavant épistémologisation, et la pluralisation qui procède, comme le dit Jacques Revel, non plus par simplification et abstraction, mais en complexifiant, au contraire, le social, en l'enrichissant de significations mises au jour par l'écheveau indéfini des rapports. Donc, quelle est la différence entre l'approche holistique de la modernité et l'approche de l'histoire totale? Selon une définition, une phrase de Bourdieu, que je vous cite, la notion d'histoire totale, telle qu'elle apparaît déjà sous la plume de Lucien Febvre et devient chez Brodel un projet explicite, se donne un objectif plus modeste quant au volume des connaissances qu'elle prétend rassembler sur une période et un espace donné, mais plus exigeant quant aux procédures d'intégration et aux vertus explicatives de cette intégration. Or, je crois que cette approche de l'histoire totale de Brodel a beaucoup d'affinités avec l'essor contemporain de la théorie de la pensée systémique en biologie. On peut retrouver en fait certains motifs communs entre cette notion d'histoire totale et en même temps pluralisée et la théorie des systèmes telle qu'elle a commencé à s'effrayer le chemin en biologie autour des années 50, presque aux mêmes périodes que Brodel. On a déjà remarqué, notamment Bruguière, que les analystes de Bloch et Febvre à Brodel s'inspiraient plutôt à la biologie qu'aux autres sciences de la nature contemporaine. Malheureusement, il n'est pas aisé d'établir des liaisons directes avec la réflexion systémique contemporaine en biologie, surtout pour la génération de Brodel, du fait qu'il manque à ma connaissance des études qui reconstruisent les interlocuteurs de ces analystes pour l'épistémologie. Toutefois, en général, un renouvellement du tissage métaphorique entre histoire et biologie autour de la notion de système au XXe siècle nous permet, je crois, de suivre le fil de certaines analogies ou ressemblances des familles entre la pluralisation des temps historiques et celle des temps biologiques. À l'épreuve de textes à peu près contemporaines à l'entreprise de Brodel, ce qui nous intéresse n'est pas forcément de risquer des analogies qui sont toujours, comme vous savez, très dangereuses entre biologie et histoire, entre histoire totale et être vivant, mais plutôt de réfléchir sur certaines similitudes entre les effets de la pluralisation de temps dans les deux champs d'observation. Par exemple, que dans le cas, la pluralisation a eu la fonction épistémologique de complexifier notion établie des causalités et notion établie des causalités qui privilégiaient notamment le temps respectivement court vis-à-vis des longues durées. Et que dans les deux cas, ce qui émerge de la pluralisation sont des phénomènes de la discontinuité et de la stase. On peut retrouver, par exemple, une ressemblance des familles entre la notion brodélienne d'histoire totale et la notion organiciste des systèmes développée par Ludwig von Bertalanffy dès les années 30 du XXe siècle. Sa théorie générale des systèmes, dont une version fut traduite en France en 1961, relève de la même révolution indéterministe des sciences de la nature à cette époque et se propose de mettre au jour et analyser les interactions non linéaires entre les composants particuliers des systèmes thermodynamiquement ouverts. Un trait fondamental des systèmes complexes, souligné par Bertalanffy comme par toute la pensée systémique successive, est que ces systèmes tendent à se stabiliser autour d'une forme particulière d'ordre. Il s'agit d'une architecture composée
des niveaux temporels étagés. Chacun avec une fréquence caractéristique est une démarche causale relativement autonome par rapport aux autres, à lui propre. La conception systémique de la totalité organique développée par Bertal Hanffy dès les années 30 entraîne en fait une décomposition du tout vivant justement en plans étagés qui rend compte de sa nature de pluralité intégrée. Je vous cite de Bertal Hanffy: ce que nous appelons structure sont des processus lents et prolongés, et ce que nous appelons fonction sont des processus rapides et de courte durée. Dire qu'une fonction, la contraction d'un muscle par exemple, est accomplie par une structure signifie qu'un processus rapide et de courte durée se superpose à une onde lente et de longue durée. Structure et procès ne sont pas différenciés selon une dichotomie entre stase et dynamique, mais seulement selon le rythme temporel leur propre. L'image de la superposition des mouvements temporels à vitesse différentielle a la fonction de souligner l'historicité qui caractérise le système vivant à tous les niveaux. D'autre côté, la représentation hiérarchique du rapport entre les différents niveaux temporels et causal en même temps a la fonction de s'opposer à tout réductionnisme, c'est-à-dire à rejeter l'idée que la complexité peut devenir tractable seulement en écrasant la dynamique du système sur un niveau dont la signification causale est jugée plus relevante que les autres, par exemple réduisant la chimie à la physique, ou la biologie à la chimie, ou la psychologie à la biologie. Il s'agit au contraire de défendre l'autonomie des différentes sciences de la vie et de contraster la tendance de la science réductionniste à dissoudre la complexité comme si elle n'était qu'un épiphénomène. La citation que je vous ai proposée est tirée justement du livre de Bertal Hanffy, « Les problèmes de la vie », traduit en français en 1961. L'enjeu dans lequel elle s'inscrit porte sur la conception de l'organisme comme système, système caractérisé d'ailleurs comme ouvert, c'est-à-dire un équilibre dynamique d'échange continuel avec son environnement, où on pourrait envisager aussi une analogie entre cette notion d'environnement avec le rôle constitutif de l'espace dans la constitution des civilisations de Brodel. L'emphase sur l'organique est visée à introduire une distinction fondamentale entre vivant et non vivant.